Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélisère depuis Chicago, dans l'État Illinois, pour quatrième et dernière journée Convention nationale Parti démocrate. Là. Et jeudi, c'est une journée qui est spéciale parce que c'est jour côté que Kamala Harris, qui est en tête ticket démocrate, là, pour le gagner lui-même pour lui présenter discours d'acceptation. Et nous sommes capables de pile activité dans le United Center, à côté de moi là. Nous sommes capables de foule déléguée pour une raison ou pour une autre. Il y a pas de là, nous capables de c'est une ligne qui est longue. Et là-dedans, il y a un pile haïtien tout. Haïtien qui sorti plusieurs côtés. Par exemple, il y a haïtien qui sorti en Haïti. Par exemple, NDI, il y a plusieurs invitations et les gens ont trouvé dans le programme ça. Et là-dedans, il y a gagné Clarence Renoir. Clarence Renoir qui est leader Unir. Nous sommes par la veille et ou même suivre la programmation La Voix de l'Amérique pour capable suivre l'interview que nous avons avec Clarence Renoir. Nous sommes parlé tout avec quelques élus haïtiens américains, notamment Linda Joseph et Flore et La Tortue. Flore Linda La Tortue, Lindor La Tortue. Donc nous sommes parlé avec eux parce que eux même c'est des délégués que vous avez. Donc parmi les gens qui sont confirmés que Kamala Harris avec Tim Walz, c'est même CEO qui va représenter le parti démocrate là dans l'élection novembre prochain. Donc ça nous après là, c'est ambiance là et c'est une longue journée parce que moun sa va là dedans, il va entrer en dedans, il y a plusieurs barrières, il y a plusieurs accréditations d'avoir dit et papier qui permettent que rentrer, il y a plusieurs cartes par exemple pour regarder la presse tout yo ba yo kat, et même gens avec délégué autour yo gen kat, moun ki recevoir invitation spéciale yo gen kat, moun ki délégué yo gen kat, c'est comme ça système nan administration machin. Nous même au niveau de VOA Creole tout, nous même nous gen yon plan et parce que aswea n'ap gen yon programme spécial à 6h précise, moi m'ap gen yon l'autre et Facebook que m'ap fait pour me capable 7h plutôt et 6h Chicago 7h et l'heure pour Washington, l'heure pour Port-au-Prince. Et n'a pas rappelé que nous-mêmes, nous avons un retard d'une heure par rapport à Port-au-Prince, par rapport à Washington. Donc hier soir, c'était premier discours d'acceptation. Là, on a parlé de discours d'acceptation. Nous sommes capables de le discours d'acceptation, nous sommes capables de le discours de remerciement, parce que tout simplement, il y a un choix qui fait de Tim Walz et gouverneur Minnesota. Les mêmes qui acceptaient hier soir que ils ont choisi pour venir candidat pour vice-présidence côté que le pral représenter parti démocrate là dans élection ça yo et à soya c'est tout par Kamala Harris vice-président Kamala Harris les mêmes pour venir dire que l'accepter hier soir tout est gagné présentation Bill Clinton ancien président Bill Clinton les mêmes qui ont gros expérience dans question et convention depuis 1972 l'absuive et convention et les dit et utiliser expérience li dans convention l'utiliser expérience dans la Maison Blanche pour le camper deux moun sa yo face à face t'a parlé de Kamala Harris avec et ancien président Donald Trump li dit Kamala Harris c'est nous alors que l'autre là l'a parlé de Donald Trump c'est moi-même encore. Donc, yon l'autre fois encore, nous sommes capables de voir Bill Clinton. Et bien que moun kap analyse dit que la prend de l'âge, mais son discours a toujours gain force, discours a toujours gain en pile nuance la dani. Et il était recevoir un gros accueil. Faut dire que en pile, nan gros orateur ça a recevoir un gros accueil, que c'est Michelle Obama, que c'est Bill Clinton, que c'est Barack Obama, et que c'est Hillary Clinton. Et bien, recevoir un gros et accueil chaleureux. Fondi tout gagne, et c'est pas ça seulement, c'est pas politicien seulement. Fondi tout gagne, tout par exemple des mon média par exemple et au Oprah Winfrey était là tout et gagne Cory Booker qui était là tout qui sorti du New Jersey et gagne Stevie Wonder et musicien avec ça nous que mon qui absolument les connaît que et par exemple Master Blaster par exemple ben un titre comme ça qui que Stevie Wonder très connu. Et Mounsa revient prendre position pour Kamala Harris. Il y a un autre bagage que
démocrate fait pendant convention ça, c'est que yo bail la parole à un paquet de monde qui était dans l'administration et Donald Trump ou bien monde qui était dans l'administration Donald Trump ou bien monde qui n'a pas parti à même qui pas quitté parti à mais qui a soutenu Kamala Harris. Donc yo même c'est pour montrer qui gens que un grand pile monde cap quitté parti à ou bien qui pas soutenir Donald Trump. Gen moun se pa kite ou kite pa kite parti a non. Donc il toujours été dans parti a mais sauf que yo di yo pas soutenir Donald Trump. Et grand pile qui fait gen moun qui élu tout par exemple gen magistrat et guys si nous prononcer le comme ça qui les même tout et ben il prend position pour Kamala Harris. Donc dans moment n'a parlé là son course qui très très serré au niveau de intention de vote yo. Donc c'est une situation que VOA Creole a suivi pour vous. Pas oublier que nous avons un programme à soir. À soir, arrêtez branché. Nous avons un programme spécial à soir. Mais nous avons un autre live pour me faire encore. Pita, dans la journée. Et nous avons un autre côté. Et nous avons un dans United Center. Un dans United Center, c'est un gros stade qui réunit des milliers de monde. Dans l'occasion, ça, occasion convention. National Parti démocrate. Jodi a c'est ça les jour J. Hier c'est un petit jour J parce que hier c'était Tim Walz et gouverneur Minnesota qui lui-même t'a pris la parole et il t'a parlé de Nebraska. Surtout il t'a parlé de Groot. Côté qu'il sortit, il dit qu'il y a 400 habitants là et il dit que la ville dans petit côté dans Nebraska ça a montré que mais chaque monde fait pour veiller sur voisin et c'est ça que la prône lui-même en tant que candidat. Vice-président, il dit c'est ça tout que démocratie a prôné. Il dit a prôné tout liberté. Liberté pour le monde faire salver à col. Mais nous comprenons que l'Europe dit liberté, c'est ça, il y a même en anglais pro-choice là. Ça veut dire un monde qui doit choisir. Si par exemple que le monde est enceinte, un genre, il y a même doit choisir. Kembel ou bien de pas Kembel, c'est ça, il y a pro-choice là. Contrairement avec le parti républicain lui-même qui c'est pro-life. Lui-même il avait question avortement du tout. Donc c'est autant de nuances qui mettaient parti ça face à face et pendant convention parti démocrate là ben tout monsieur qui prend la parole le gros orateur yo mettait Kamala Harris face à face avec Donald Trump pour montrer qui différence qui gagne et pour qui ça yo monde doit aller voter Kamala Harris au lieu que voter Donald Trump. Nous sommes parlé avec deux délégués ou bien deux et haïtien américain, de élu haïtien américain, Linda Joseph avec Flore La Tortue, yo même tout yo parlé en faveur, yo dit que haïtien gagné intérêt pour yo al voter Donald Trump. Pas voter Donald Trump mais voter Kamala Harris. Donc yo dit que ou pas gagné intérêt pour voter Donald Trump, yo dit parce que Donald Trump tout a joué haïtien, li pa vle wè immigrant et c'est question ça yo qui fait que yo dit que faut aller voter Kamala Harris avec Tim Walz. Mes amis, moi c'est Jacques Lebelizer depuis Chicago dans l'État Illinois, moi devant et United Center côté que gros défilé a fait et tant comme te dit nous grand pile monde pas entrer là m'a montré nous ligne et mon a fait ligne pour capable entrer. Ça c'est gate, ça le gate 6. Donc c'est porte 6 côté que moun yo gan pile moun qui continue à venir et tout est qualité moun noir blanc et puis n'a regardé et gen la police qui là tout et puis nous capable voir United Center. Donc VOA Creole il est toujours présent tout côté actualité a et actualité a qu'on y a c'est dans Chicago dans l'état Illinois et tout l'autre côté n'a regardé là haut c'est côté que l'apprécier dans temps ça yo l'apprécier. Et en dedans tout gain côté pour la presse mais défilé a continué nous capable et moun qui a défilé là yo même y a défilé pour capable entrer dans United Center et yo capable se déléguer yo capable avoir l'autre petit tour c'est des volontaires c'est toute machine et américaine qui en branle et c'est et tant que Clarence Noir nous t'ai une interview avec qui dit c'est tout la culture politique américaine qui est exposée à travers la convention. Ça. VOA Creole, lui-même fidèle à la tradition, lui-même l'absurde, tout ça qui a passé pour le vin qui ça que le pote pour vous, parce que c'est ça que nous dit,
eh bien, sous VOA Creole, on compte tout ça qui a passé dans la convention. C'est dans la convention. Nous, c'est VOA, c'est nous qui avons fait ça. Moi, c'est Jacques Lebelizé. Et oui, tant que nous sommes capables d'entendre, dans le domaine là, c'est ambiance 4e soirée, convention nationale, parti démocrate là. C'est une grosse ambiance, c'est prélude, gros événement. Et nous tendons des domaines là. Voilà. C'est un pile musique. C'est pas seulement politique, un pile culture. Et dans United Center, et dans United Center là, côté que nous vivons la 4e journée convention nationale parti démocrate. Là, moi c'est Jacqueline Belizère pour VOA Creole. Et nous vivons un moment qui est chargé avec chaleur, qui change, qui est rythmé. Et tant que nous sommes capables de là sans pile musique. Donc nous, ce n'est pas seulement politique et convention sérieuse. Il y a un pile gros artiste qui fait déplacement. Par exemple, nous sommes capables de voir hier Stevie Wonder était là. Et Oprah Winfrey était là tout. Et donc nous sommes capables de dominer là. Bon, faut-il garder. Donc c'est une foule qui rassemble là en pile monde, c'est des dizaines de milliers de monde qui présent dans l'occasion. Son événement majeur dans la vie les États-Unis, son événement majeur pour le Parti démocrate là, pas seulement pour le Parti démocrate là, parce que ça fait partie de l'histoire politique pays. Gagné et Parti républicain qui était gagné et convention nationale li, et puis qu'on y a c'est convention parti démocrate là et tant que nous sommes présents dans le parti républicain et bien VOA Creole li présent encore pour parti démocrate là et après à soir nous allons gagner un show spécial un programme spécial à partir de 8h45 et n'a gagné Valerio Saint-Louis qui quittait New York pour l'entrée Washington pour gros événement des gros événements Valerio Saint-Louis toujours là. Donc Valerio Saint-Louis a là comme et présentateur vedette et programme ça. Donc et nous souhaitons qu'on branche, n'a pas analyste et ou bien analyste qui pro démocrate, analyste qui pro républicain, une façon pour nous toujours balancer et c'est ça VOA Creole, c'est ça la voix de l'Amérique. C'est balance dans la nouvelle nous, c'est balance dans l'événement nous, c'est balance là nous-mêmes n'a fait reportage et n'a continué comme ça. Il dit on ne change pas une équipe qui gagne, donc comme équipe nous a bien, n'a continué et fait ça. Donc ça n'a vivre là, c'est prélude, gros moment qui peut gagner dans l'occasion 4e journée et convention qui c'est pratiquement 4e et dernier. Moi c'est Jacques Lebelizère. Gagné un pile délégué qui sont apparentés là tout à l'heure dans Facebook là m'était montré nous qui gens que t'es gagné délégué qui t'a entré en dedans. C'est un moment très spécial, nous saluer collaborateur nous et Jude de Onseré qui a suivi nous et nous te souhaiter que Jude de Onseré t'a avec nous là ou bien t'es Washington, mais nous souhaiter que dans prochain événement peut-être que Jude ava avec nous. Donc nous saluer en bas live là. Et premièrement, on nous fait un petit récapitulation, ça nous est le recap là. Donc je dis à c'est 4e journée. 4e journée et première journée c'était président Joe Biden qui était là. Président Joe Biden et il était madame Nitu, Jill Biden, docteur Jill Biden, première dame qui était là. Docteur Joe Biden dans occasion ça, il était fait un discours qui était duré environ plus passer 50 minutes. C'est Gampil Moun qui dit son démonstration de force pour te montrer que l'il l'a toujours. Parce que nous connaissons que Gampil et question qui t'a posé après que l'il t'a gagné mauvaise performance dans le débat que l'il a gagné avec devant Donald Trump, qui est candidat à parti républicain. Eh bien, dans le discours que dans la présentation que tu fait dans la première, dans l'ouverture là, dans l'ouverture et convention, eh bien, nous t'es capable de voir, c'est Joe Biden qui t'a gagné pile vigueur. Et ambiance là continue derrière Dom là, parce qu'il y a des vidéos qui a passé et qui fait mon plaisir et que mon a réagi par rapport à la vidéo.
Donc, dans la même journée, ça tout est gain, ancienne première dame, ancienne secrétaire d'État, Hillary Clinton. Hillary Clinton, qui lui-même te met en pile accent sous aspect historique ticket démocrate là. En parlant de Kamala Harris, qui a fait l'histoire comme première femme, s'il passait qui pral tourner, première femme président des États-Unis. Il mettait accent sur lui, il dit que son bagaille est prévu, son bagaille doit goumer pour lui, et il même dit que faut continuer à goumer parce que la convention, ce n'est pas la fin de lutte là, faut continuer à goumer. Et puis, dans la deuxième journée, c'était le couple et Obama. Il y a un pile monde, spécialiste qui a analysé, il dit que c'était un show médiatique. Et avec éloquence, et Barack Obama, avec grâce, et Michelle Obama, et avec les deux mounsao. D'ailleurs, c'est Michelle Obama qui a introduit Barack Obama avec beaucoup de charme, beaucoup de grâce. Moun ka pale français, yo. Yo te wè que c'était un bel bagay et yo te bayo un gros applaudissement. Et Obama te dit, li la kaili. Il sentit la kaili. C'est moun Chicago d'ailleurs. Donc son gros accueil te fait. Même Joker te fait un gros accueil pour Joe Biden. Pendant 4 minutes, moun yo tap bat bravo pour Joe Biden. Il a dit thank you Joe, merci en pile Joe. Et c'est même accueil là tout pour Barack Obama avec Michelle Obama dans soirée ça. Et puis t'es un personnage très important qui a fait l'histoire tout parce que c'est deuxième homme et parce que c'est Marie Kamala Harris qui c'est vice-président. En parlant de Doug Emhoff, monsieur parlait de famille. Il parlait de parce que lui-même, il vient de famille avec Kamala Harris. Ça veut dire qu'il y a des petites que le qui pas petite Kamala Harris, mais que monsieur vient réunir famille. En pile ambiance, pas bon ici. En pile musique. Et c'est tout ça. C'est tout ça, convention. Et il y a un orateur qui continue à prendre la parole. Il faut dire que l'orateur prend la parole pendant un moment. Et à souhait, il y a un gros. Pointe ça, il est en français, les grosses pointures. L'on prend Barack Obama, Michelle Obama, c'est ça, il est les grosses pointures. L'on prend Bill Clinton, c'est les grosses pointures. La troisième journée, hein, c'était effectivement Bill Clinton comme grosse pointure, tout ancien président. Et Bill Clinton lui-même, il était venu dans le discours là, côté que le tape montré qui raison qui fait que y a un monde doit choisir Kamala Harris au lieu de Donald Trump. Il dit que deux mouns sont différents. Premièrement, parce que pour Kamala Harris pour résoudre problème nous, ce n'est pas problème pâle que l'a réglé. Et non seulement l'a réglé problème pas nous, mais tout l'autre bagage, il dit que quel que soit moun qui, quel que soit l'agent le voter, que le vote républicain, que le vote démocrate, eh bien, il dit que Kamala Harris pour chercher et bal moyen pour capable réaliser rêve. Et c'est ça Bill Clinton lui-même il te met accent sous lui pour une occasion. Et dans même jour Bill Clinton là, c'était un autre gros moment. Jodi a dit c'est jour J, mais hier c'était un autre petit jour J dans occasion troisième soirée. Dans troisième soirée, tu gagné Tim Walz, gouverneur Minnesota, qui lui-même qui candidat à la vice-présidence, lui-même ça lui fait c'est accepter et remercier et délégué du fait que vous choisissez pour le candidat à la vice-présidence et puis pour le colistier Kamala Harris. Lui-même, il te prend la parole, il baille histoire. Il sorti dans Butte, une petite zone, une petite ville dans Nebraska qui a environ 400 habitants. Et il dit que le fait que le vive dans une petite ville comme ça, il apprend que chaque monde fait pour veiller sur le monde qui est bon là. Moun qui entoure fait pour vous, ça ou les voisins là, ça ou les moun la kayoua, ça ou les moun famille. Et c'est ça que lui dit que lui-même, en tant que professeur, en tant que entraîneur football, entraîneur basketball, professeur dans l'école américaine, lui dit que c'est étudiant eux-mêmes, c'est joueur qui pousse entrer dans la politique parce que yo te wè nan li sa li même li t'ap enseye yo. Il t'ap enseye yo pour prendre engagement, pour comprendre que tout le monde yo nan même bateau, yo nan en même bateau. Ça veut dire si gon malheur ka privé un monde, la privé tout le monde. Donc c'est ça t'ap prêché et moun yo.
Et puis dans la même soirée, ça, dans la parlé de soirée hier là, et bien, tu as gagné tout après que Tim Walz a accepté le choix. Donc il t'a fait discours. Ça, c'est le discours d'acceptation. Ou bien, tu as le discours d'acceptation, ou bien, tu as le discours de remerciement que Tim Walz a fait. Et puis, il y a une autre grande pointure encore dans le Parti démocrate là. Il y a Nancy Pelosi, ancien président et chambre députée qui était de Speaker of the House. Première femme qui était Speaker of the House. Ça adorait le Speaker of the House. Pas bon ici là. C'est moun qui, les deux chambres ont rencontré celui qui président. Ça adorait l'Assemblée nationale là. En Haïti, c'est président Sénat qui jouait le rôle Speaker of the House. Là, qui recevait, qui s'est en tête là. Mais pas bon ici, aux États-Unis, c'est président chambre députée. Donc, Nancy Pelosi était là tout. Et puis, nous avons signalé tout. Et secrétaire transport, qui est responsable de toute bagaille, train, avion, qui c'est Pete Buttigieg. Pete Buttigieg était là. Et lui-même, il prend la parole tout. Et puis, nous avons signalé tout que deux grandes figures qui étaient là tout. Nous avons signalé Stevie Wonder, Master Blaster. Stevie Wonder était là, chanteur, grand musicien. Et puis, Oprah Winfrey, qui c'est un gros nom dans les médias aux États-Unis. Et donc, Jodia, Aswea, ça nous prend le gain, nous prend le gain, nous prend le gain. Kamala Harris qui prend la parole. Et Kamala Harris, gain spécialiste qui déjà prévoit ça, le prend le dit dans le discours là. Présenter héritage de Joe Biden, remercier Joe Biden qui passe le maillet. Et présenter tête tout comme une femme de classe moyenne. Et c'est ça que discours démocrate là est, c'est une classe moyenne que vous voulez faire aller pour plus devant. Pas oublier le thème qui traverse toute convention, c'est la démocratie, c'est le peuple, c'est liberté, liberté pour le monde choisir, sauf le poutet tout, liberté pour choisir, voir petit tout l'école sans pas gagner la pérèse que gagner shooting, gagner fusillade qui pourrait le faire, balle marron et pas prendre. Donc c'est tout ça et m'a fini et présentation ça avec présence plusieurs haïtiens américains, haïtiens qui sont par exemple en Haïti. Gen NDI qui invite 4 moun dans le pays d'Haïti, parmi yo gen leader union là qui c'est Clarence Renoir qui était parmi 4 moun sa yo que NDI t'est invité. Gagné tout l'autre moun haïtien américain, élu haïtien américain qui au même c'est délégué, ça veut dire t'es parmi moun qui t'a confirmé Kamala Harris comme candidat pour élection qu'a fait. Donc c'est pas exemple c'est moun tankou magistrat Alex Désulmé, c'est Linda Joseph, c'est Flor Lendor la tortue, c'est Kavel Cholage, c'est madame Woodson, c'est moun sa yo même comme des délégués qui étaient là et c'est des élus haïtiens américains qui t'a expliqué qui raison un haïtien gagné pour aller voter Kamala Harris, qui importance que ça gagne. Donc c'est en gros nous faisons tour d'horizon pour vous. Et nous allons retourner plus tard encore pour nous suivre un programme spécial que VOA Creole a présenté. Merci d'être côté branché dans ce moment ça. Nous disons tout le monde qui est branché là, pas oublier, nous avons un programme qui a commencé vers 8h45. Et qui a 8h45. Et nous-mêmes, nous avons. Non, c'est 9h45. 9h45 pour nous, moi-même, là, 8h45 pour moi. Parce que moi-même, j'ai une heure de temps de retard par rapport à Washington, par rapport à Maryland, par rapport à Port-au-Prince, par rapport à Léogane, par rapport à Port-de-Paix. Moi, c'est Jacques Lebelizer qui s'est envoyé spécial service créole, VOA Creole, dans l'occasion et convention nationale parti démocrate. Là. Merci pour l'attention. Nous avons branché pour PITA pour nous capables de suivre un programme spécial dans l'occasion clôture, 4e et dernier jour, convention nationale parti démocrate. Là. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacques Lebelizer. Nous c'est VOA Creole, ça nous a fait ça.